Salut, c'est Trado. Voilà la vidéo d'analyse technique pour l'or. La séance d'aujourd'hui montre l'indétermination des intervenants. Il y a des pressions baissières très très fortes, comme à chaque fois que les marchés reculent, mais également une force acheteuse assez évidente. Regardez comme l'attaque du jour a amené les cours à venir tester à la fois la moyenne mobile 20 séances et la moyenne mobile à 7 séances, mais on a rebondi comme une balle de tennis dessus, et la longueur de la mèche basse montre bien que la psychologie est sans doute en train de changer, puisqu'il y a eu une course aux bonnes affaires, hein. Il y a eu des soldes qui ont été faits, et on est en train de clôturer au contact, voire au-dessus du canal bleu. Ce serait très intéressant de clôturer au-dessus de ce canal bleu, car ça libérerait un potentiel très important sur lequel on pourra toujours revenir un petit peu plus tard. En tout cas, l'essentiel est fait. Il faudrait rester suffisamment longtemps au-dessus de la moyenne mobile à 20 séances pour que celle-ci devienne croissante et qu'elle devienne donc un support efficace. Les indicateurs techniques sont toujours mitigés. Si le stochastique est plutôt bien orienté au-dessus de son signal, ce n'est pas le cas du momentum qui lui connaît une sorte de rechute en repassant dans la zone négative. Le MACD, quant à lui, continue de croître au-dessus de son signal, mais toujours négatif. Donc pour faire simple, je dirais que la séance du jour est une séance encourageante, à confirmer néanmoins. La longueur de la mèche basse de la bougie est en particulier tout à fait intéressante pour la suite des événements. On remarquera également que nous sommes en train d'assister à un croisement faible M7-M20. Croisement faible, c'est-à-dire que la M20 et la M7 sont en train d'évoluer en sens inverse lors de ce croisement. Donc c'est pas aussi bien que si c'était un croisement fort. J'ai fait une vidéo, un webinaire là-dessus si ça vous intéresse. Mais bon, il ne faut pas bouder son plaisir. C'est plutôt encourageant. Voilà, bonne soirée, bon trade et à demain.